Bon, ben voilà, nous sommes sur Guémor. Et là, ben, nous sommes en train de faire des travaux de plantation avec le président de Méribel-les-Échelles. Et nous donnons un coup de main au président de Saint-Laurent-du-Pont. Étant donné que nous allons fusionner, et ben, les premiers travaux commencent ensemble. Et je vais poser une question à M. Thibault. Bonjour M. Thibault. Bonjour. Vous pouvez se présenter un peu votre APP, s'il vous plaît? Oui, ben voilà, APP de Saint-Laurent-du-Pont. Le président qui est à côté de moi aussi, c'est sur Méribel-les-Échelles. Là, c'est sur le parcours qu'on a fait les travaux. Donc, on est en train de replanter des saules pour retenir les berges. Et ça va permettre aussi aux poissons de se mettre un petit peu à l'abri du soleil. Voilà. Que pensez-vous alors de cette future fusion? Quel est votre état d'esprit depuis la dernière réunion? Eh bien, c'est une bonne chose, hein. C'est ce qu'il fallait faire, parce que trop d'APPMA, c'est à peu près sur le même parcours. Bon, c'est bien, mais enfin, on a des petites restrictions de clocher, tandis que là, bon, ça va être ouvert à tous, et ça va permettre de faire beaucoup de choses, disons, au point de vue travaux et bénévoles et tout ça, quoi. Bon, ben voilà, une bonne chose de faite, hein. Je pense que d'ici fin 2008, le projet sera réalisé. Ben, normalement, j'espère bien que fin 2008, ça sera fait, et 2009, on pourra partir, disons autrement dit, avec la nouvelle société de pêche qui s'appellera les pêcheurs du Haut-Guier. Une nouvelle, Monsieur le Président, c'est que la fusion de ces APP, il ne faudrait peut-être pas oublier la troisième APP qui est jointe avec nous. Voilà, tout à fait, oui, j'ai oublié de la citer tout à l'heure, c'est Saint-Pierre-Chartreuse aussi. Donc ça va nous faire un parcours, un beau domaine de pêche. Donc disons 27 km de rivière et 25 km de ruisseau. Les 27 km de rivière, c'est sur le Guémor, hein. le Guier chez nous, quoi. Voilà. Oui. En fait, voilà, donc nous avons un bon parcours de pêche, un bon domaine de pêche. Et plus peut-être, enfin on a un parcours déjà avec la fédération, le parcours Nokil ONF, et j'espère que par la suite on aura l'autre aussi qui se trouve au-dessus, donc ça nous fera pratiquement tout lié depuis sa source jusqu'aux gorges de Chaille. Bon, ben, dans l'espoir de voir beaucoup de monde fréquenter nos rivières, tout à fait. Et en même temps de venir nous aider en prenant les cartes dans nos APP. Surtout ça, surtout voilà. Les pêcheurs qui viennent pêcher sur le Guier, prenez vos cartes dans la PPMA qui vous concerne. Voilà, et en fait, l'argent profite aux travaux de la rivière et non pas au lâcher de surdensitaire et voilà. Aux autres espèces de poissons inconnus. Quoi. Voilà. Ça va nous servir pour faire des caches pour les poissons et beaucoup de choses encore d'autres à côté. Bon, bah, merci beaucoup. Hein. Alors, monsieur Descôtes veut prendre la parole, je vous laisse parler. J'apporte une toute petite précision, mais qui est importante au niveau des pêcheurs. Malgré l'association des trois APPMA sur le Guémor, on reste dans la réciprocité Guier. Ah oui. Alors, donc rien n'est changé au niveau du règlement. Alors, une question que je vais vous poser, parce qu'on me l'a posée via Internet. Est-ce que la somme du timbre Guier, enfin au niveau de la réciprocité, peut évoluer d'ici quelques années, peu ou pas peu? Est-ce que vous avez une réponse à cette question? Non, ben là, pour la recette du timbre Guier, on avait décidé en réunion 2007 à Saint-Buel, on avait décidé que la somme du timbre Guier irait uniquement aux aménagements de la rivière. Donc on va s'en tenir à cela. Bon, mais le coût de ce timbre, il va évoluer Non, pas pour l'instant. Dans l'immédiat, je ne pense pas. Bon, ben voilà, c'était la question que je voulais savoir. Dans l'immédiat, je ne pense pas, on reste à 6 euros. Bon, pour l'instant, on reste toujours à 6 euros. Je trouve que c'est bien, c'est une petite participation pour tous les travaux qu'on fait, pour tous les pêcheurs qui passent là, et voilà. Bon, ben j'espère que là, beaucoup de pêcheurs vous entendront par le biais de cette vidéo. Eh ben, je vous remercie, et donc, le plaisir de se retrouver sur le bord des rivières avec une canne à pêche, par exemple. Et bonne saison 2008. Voilà. Ah ben merci messieurs, bonne journée. Merci à vous aussi. 18 au fond.